Bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue sur Madness Productions en compagnie de votre Dark Elyrion qui est en retard. Complètement en retard. Je m'en excuse. J'ai complètement zappé. Mon cerveau était concentré sur un truc où je me prenais la tête avec. C'était une catastrophe. J'arrêtais pas de me prendre la tête avec ce que j'étais en train de faire actuellement. Et en fait, voilà. Ça a un peu planté. Voilà, mon cerveau, il s'est fait... tiens, il est 24, 18h, 24 ! Zut ! Ça fait 20 minutes que je devrais être parti en live. Pourquoi je ne le suis pas ? Hein ? Pourquoi est-ce que je ne le suis pas ? Ben, c'est normal que je ne le suis pas, parce qu'actuellement, mon cher Dark Elyrion, il était occupé. D'accord, il y avait des erreurs pour le Twitch. Ça, c'est très bien, mon petit. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de remettre le setup, tout le bordel. Et tout le tout-team. Le tout-team, il n'est pas encore tout cité. Je vais régler ça. Voilà. Et... in-game. Voilà. Et on est bon. Allez. On reprend en ce deuxième jour de la semaine, en ce mardi. Session de Assassin's Creed Origins. Nous allons donc cette fois-ci... où est-ce qu'on allait faire? Je crois qu'on avait terminé tout ce qu'il y avait à faire dans la ville où j'étais actuellement à Memphis. Donc je devais partir vers le nord. Choper 2-3 petits trucs au passage et puis... Et puis on était bon, je crois. Me semble-t-il. Me trompe-je peut-être. Je ne saurais l'affirmer. Je ne saurais l'infirmer non plus. Je ne sais pas. Mais bon, on verra bien. Ok. Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose d'autre. Encore une épreuve de Sekhmet cette fois-ci. Ah, c'est plus Sobek. Ah, c'est Sekhmet. Très bien. Encore une fois, malheureusement, je ne peux pas faire ces trucs-là parce qu'ils sont largement au-dessus du niveau que je peux faire. Ah, quoique... ah merde, j'aurais plus l'excuse de ne pas pouvoir les faire, en fait, maintenant. Parce que les épreuves, elles sont là. Ah, zut. Zut. Va falloir que je m'en occupe. C'était pas prévu tout ça. Ah zut. Bientôt je pourrais pas dire non, bah non, je peux pas le faire. Parce que justement elle est là. Ah mais... ah. Bah... va falloir voir ça plus tard. Mais pour l'instant... on n'y est pas encore. Donc en attendant, eh ben, on va s'occuper d'aller récupérer des choses. Des choses. Parce qu'il y en a beaucoup. Dans les environs. Je crois que j'avais tout récupéré dans cette zone. On avait ce petit point là-bas. Allez, on se fait un petit détour, mais c'est pas trop grave. Viens donc par là, toi. Mais. D'accord, aujourd'hui le chocobromadaire a l'air d'être dissident. Un poussin. Hein, t'es dissident. Il a l'air d'être dissident aujourd'hui. J'aime pas quand les poussins sont dissidents. Je vais partir par où? Ok, je sors par la je sors de la ville et ensuite je bifurque à l'ouest. C'est compliqué, hein, mais ouais, c'est l'ouest. Bifurcation à l'ouest. Allez, on tourne. Et pas très loin, et on devrait y aller assez vite. Avec notre petit boost de vitesse une fois qu'on est à l'extérieur. Allez, le petit boost. Le petit boost. Ah, il y a le petit boost. Et il veut pas remonter. Et il remonte. Merci, mon petit. Alors, qu'est-ce donc? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça m'a l'air d'être à des bandits.
Hey! Voyons voir ce qu'elle me trouve. Allez, ma petite Senou. Vision ultraviolet, infrarouge, infravision. Bon, ça devrait même pas être trop compliqué, c'est des level 23. Repère tout gros. Insignifiant. Cet endroit est un repère d'insignifiant. Même leur chef, il est level 24. Je vais arriver derrière, la lame va lui traverser l'omoplate. Je vais te tuer. Bouc. Voilà, bouclier pour l'achever. Bouc, 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 non mais... L'outil se permet, il se croit qu'il a la possibilité d'imaginer, de concevoir. Il y avait des trucs derrière que j'ai oublié. Le bronze. C'est toujours bien le bronze. Oula, mais il y a moult trésors, dites-moi. Ils ont pas chômé, les bandits. Il résiste un peu plus. Ah, n'espère pas me gêner. Je te tiens. Te voilà. T'as pris ton temps, bordel, hein. Exactement. Te voilà. Pénèse. Il y a des choses en dessous, mais ça veut dire qu'il va falloir que je nage, je suppose. C'est bien cela. Ils avaient planqué du matos, et du bon matos. Et je crois que c'est tout. Pas grand chose de plus là-dedans, donc je crois que j'ai repéré. Je crois que de toute façon je l'avais fini. Ouais, je l'ai terminé. Donc si on regarde un petit peu sur le trajet, y a-t-il des choses que je dois encore faire? Oui, oui, il y a des choses. Il y en a une là, déjà. Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur le trajet par là-bas? Bon, ça, il va falloir que je m'en occupe plus tard d'une autre manière. Au pire, je peux me téléporter à Rapinewen. Mes excuses encore pour la prononciation affreuse. Ah oui, ça c'est ma photo. Je pense que oui, on va faire ça. Hein. Allez hop, téléportation. On va aller choper les navires qui sont planqués sur la berge, tranquillement en train d'attendre que je vienne les cueillir. Et puis après, ben, on verra bien. On verra bien. Je constate aussi que ma voix est supérieurement, incroyablement plus forte que d'habitude. Incroyablement, pas un jour que j'arrive à régler le son comme il faut, parce que c'est foireux tout ça, c'est foireux. Vous livre, c'est foireux. Attendez, je pars comme ça. Mon cerveau a pas l'air de bien fonctionner, mes excuses. 340 mètres, allez, c'est par là. Est-ce qu'il y a un petit navire que vous auriez laissé dans les environs? Semblerait pas. Ça m'arrange pas, ça. Pas de petit navire qui se balade? Non, que dalle. Ben, à la nage.
Est-ce qu'il y en a un qui vient de me, recueillir? Bon, ce sera toi qui va venir me chercher, hein. C'est bien ça. Il a fait un gros virage parce qu'il m'a détecté. Il va venir me percuter sur le côté. Allez, viens. Oui. Pardonne-moi. Je t'emprunte. Je te remercie. Alors. Allons-y. Ok, donc déjà. Je vois où est-ce que je suis. Je vais devoir tourner un peu plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Voilà. Pour être hors de portée de leur vue. Et ensuite. Légèrement. Voilà. Les gardes sont très vigilants par ici. Bouge pas, gamin, reste là. Alors. Voyons à quel point est-ce que c'est dangereux. 19! Eh ben, ça va être quelque chose, tout ça, dites-moi. Ah! Merde! Hein? Mais que. Je veux pas laisser tomber un petit hippopotame comme ça. S'il te plaît, remonte à la surface. Parce qu'une peau d'hippopotame, ça se revend cher. Enfin, c'est surtout très utile. Maintenant. Je m'en fous, j'ai déjà mon taxi. Non, mais mon taxi s'enfuit. Mon taxi s'enfuit et un nouveau taxi prend sa place. Eh ben. Il le faut, désolé. Je t'emprunte ton truc. Voilà. Voilà. Alors, comment qu'on va gérer tout ça? Même pas vraiment de danger. Hein. Faut aller voir. Allez. Petit peu de régénération. Bon. Soyons honnêtes, c'était pas très glorieux tout ça. Mais bon. Voilà. Ça c'est fait. Mais pas encore.
Et il n'y a plus rien. Ah si, si, il y a des trucs. Et quelque chose. Problème numéro 1, j'ai rien du tout pour pouvoir me faire un... Pour pouvoir récupérer les flèches que je viens de tirer. Ce qui est problématique. Nous le cachons point. Mais bon, avec ça, j'ai pu récupérer quelques pots. Et ça, c'est tout l'heure du monde qui évolue. Alors, mon taxi est toujours là. Et ça, c'est la bonne chose. Je te le rendrai plus tard. Je t'ai dit que je te le rendrai après. Voyons où est-ce que je dois aller maintenant. Ouais. Va falloir que je remonte en fait. Le plus simple, ce serait carrément que je commence d'ici pour remonter la zone depuis là. Même le mieux, ce serait là. Ouais, mais en fait, si je commence de là, ça me permet de repérer les points d'interrogation les uns à la suite des autres, en fait. Pour ensuite arriver directement à la zone où il y a ma... Où il y a ma quête. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir commencer la voie des Gabignani. Voilà. Je pense. Fortement probable que ce soit le cas. En plus, il y a une quête secondaire à la table des informateurs juste ici, donc c'est parfait. Voilà ce qu'on va faire. On va commencer là. Télétransportons-nous. Et on va remonter vers le nord. Alors, c'est par où, Azur? C'est par là. On va enfin explorer des choses nouvelles. Ah, voilà. Il s'était caché dans la luzerne. Première chose, voyons voir quel est ce point. Wow. Explorons la nouvelle région. Il a tout l'air d'être un camp. Un camp de villageois. Si jamais on le voit ici. Ah non! Ah merde! La zone est encore considérée comme appartenant à... Bon. Ça va être drôle. Je suis à portée. Oh l'enfant. Un mignon petit chat. Et c'était tout. Ah si, il y a un truc là-bas. Quel est-il? Ah. Où qu'il est, mon chocobo madère. Ah l'enfoiré, il est parti. Alors, c'était encore dans la zone précédente, donc ça veut dire que ça doit être aussi encore dans la zone précédente, je suppose. Ouais. Bon, on va traverser, hein, je pense. On va traverser... Et la prochaine fois, on ira faire les points d'interrogation qui restaient à récupérer de notre zone. Oh bah tiens. Ça tombe bien. Petit bateau. On fonce en ligne droite. Nommé d'Héracléion. Ah,
J'ai détruit mon bateau. D'accord, elle était pas très faible, hein. Très résistante cette barque. Tu me diras, ça m'arrange, je suis arrivé à bonne destination. Retrouvaille. C'est nous. Trouver la source du sifflement. Dis-moi ce que tu cherches. Dis-moi ce que tu cherches. Qui est là? Yes. Prends soin de ton aigle. Les chasseurs romains capturent tous les animaux qu'ils trouvent. Taïra. Qu'est-ce que tu... Contente de te voir, Bayek. T'as l'air d'aller mieux. Tu me savais dans la région? Je l'espérais. Tu laisses des choses dans ton sillage. Même moi, j'ai entendu parler de Bayek de Siwa. Que fais-tu dans cet endroit? Je veux éviter que cette vallée devienne un abattoir de Rome. Ils capturent nos animaux. Et ils les massacrent à Rome devant leurs dieux. J'en ai entendu parler. Seul, je ne peux rien contre eux. J'ai prié Sobek et il m'a envoyé... Bayek. Hein? Viens. Taïra, attends! Le mec est arrivé, hey. On me... Boum! Hey! Ah d'accord. Tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'ici? À notre séparation, j'ai eu affaire à de forts courants. Tu es retourné à Siwa? Tu as repris ton rôle de Medjay? Pas longtemps. Je n'étais plus chez moi. Et toi? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis inspiré de toi. Considère-moi comme une protectrice. De quoi? Il n'y a personne ici. Si, de la verdure! On me déplace doucement parce que on sait jamais, il y a peut-être des lignes de dialogue. Quel est cet endroit? Un sanctuaire de Sobek. Très ancien. Très dangereux aussi. Ah. Grimpe, ce n'est pas sûr en bas. Par où? Gagnez-moi un peu de temps! Oh. Hein? Mais que... Gagnez-moi un peu de temps! Je dois partir! Gagnez-moi un peu de temps! Je dois partir! Il se passe des choses ici, c'est bizarre. Vieille ruine, vieux dieu. Vieux peut-être, mais toujours aussi puissant. Chut! Regarde. Par les cornes d'Amon. L'enfant de Sobek. Où est-elle? Il en manque une. Saleté de Romain. Je serai au camp romain. Okay. Mais bordel de merde. Mais who the fuck are you? Bon, on va les exterminer parce que là j'ai l'impression qu'il y a... Il y a des gens qui sont déplacés dans cette zone, ils auraient jamais dû. Ok. Mais d'où? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est politique. Plus vite! Plus vite! Je te tiens.
Gagnez-moi un peu de temps! Je dois partir! Voilà! Oh putain! Je sais pas ce qu'ils étaient censés faire ces NPC ici, mais ils ont... Mais ils se sont retrouvés à faire des carnages de partout. Non, 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 je m'en fous de toi. Ta vie et ton existence, pour moi, n'ont aucune importance. Je m'occupe juste de récupérer les cadavres. Voilà. Ils m'ont repéré, mais ils m'ont pas repéré longtemps. Elle est partie loin, dites donc, hein. Et on tourne. Et on pile. Attention. Accrochez-vous. Ah merde, ça m'a arrêté. Ils sont bien retranchés. Je te l'ai dit. Les Romains ont... de Sobek est à l'intérieur. Patiente, parce que là, moi, j'essaie de voir un petit peu contre quoi on se bat. Si je vais aller 33, là, déjà, c'est compliqué. Beaucoup trop de choses. Ramon. Ça, c'est un crocodile. Impressionnante, non? Qu'est-ce que tu attends? Brise sa cage! Mais rien, il se calme, gamine, on est loin! On l'a juste repéré, mais on sait même pas où elle est! Eh bien, nous-mêmes, on sait pas où elle est! Hein? Oh! Ah oui, c'est bête! Narsucha! On y va, tranquillos! Tranquillos! La tranquillité. C'est qu'ils sont tous là-bas, les dangers. Tout ce qu'on va faire... Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce petit marqueur que j'ai là. Il est où? Ah, il est là. Ce marqueur, parce qu'il commence à m'embêter un peu. Attends, oui, je crois que j'ai passé la maison, hein, n'est-ce pas? J'ai passé la maison. Hop. Au sud du nommé d'Héracléion, tu me trouveras sous l'arbre qui aime à se prétendre au roi. L'arme. Bon, celui-là, il ne doit pas être trop compliqué à trouver. Je crois que j'ai tout repéré, hein. Il y en avait d'autres aussi, heureusement que j'ai regardé. Il me reste un trésor à choper là-bas. Et on va choper le trésor, puis après on va aller leur faire un petit coucou au Romanus. Oh oui, ça peut... Je me permets. Voilà les Romains. Oh, il y a encore d'autres trésors là-bas. Oh.
Alors. Voir un petit peu la bête. Vite, on se dépêche. Ils vont pas tarder à se lever. Sois sur tes gardes. Ta gueule. Que Sobek nous garde. Ne fais pas de bruit. Bon. Et ben voilà. Bon. Par contre, c'est un véritable. Ah ouais, c'est une, c'est l'abattoir. Not that du. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Carrément à ce point-là. Niveau côté hygiène, on était réellement à l'époque du mois d'avant le Moyen Âge. Hein. Ah oui, non mais carrément, c'était Miss. C'était, je comprends, ok. Voilà, faut qu'on se casse. Ce n'est pas sûr ici. Ah non, il faut qu'on l'escorte. D'accord. Doucement. Je ne te veux pas de mal. Sobek m'en est témoin. Enfin, je l'espère. Bayek, nous devons veiller à ce qu'elle rejoigne le sanctuaire indemne. Les gens, tu vois, ils vont y passer un putain de crocodile de... Allez, 4 mètres, 5 mètres d'envergure, un truc comme ça. 3-4 mètres. Hein, le machin. Ouais. Ah, au secours. Enfin, non, c'est... Oh, j'ai été bousculé. C'est bon. Elle est tranquille là? Il faut vraiment que je nage avec elle là comme un poisson dans l'eau qui va se faire bouffer. Hein? C'est bon? Il me regarde comme si j'étais un morceau de viande, hein, c'est ça? Je suis sûr. Non mais elle va me bouffer hein! Je te jure! Mais casse-toi, bon sang, mais va voilà, plouf. Maintenant, voilà. Va nager avec les... Avec les languiliers. Tu marches pas, toi? Et là, finesse des bois. Non mais c'est bien de me dire qu'il faut que je l'escorte, mais je fais quoi maintenant? Elle va plus avancer. Ah ça y est, elles avancent.
mais la graisse pas non plus. Oh la vache. Attends, allez, où là? Il est où, crocodile? C'est bon. Mais... d'où tu te permets de frapper ce machin? Mais... mais va se calmer, là, la Vestale. Non, mais je te jure... obligé de les péter parce qu'ils nous agressent. Voilà. Mais on en profite aussi pour buter ces gens. Attends, elle est où? Elle est passée où? Ouais. Putain, saloperie. Moustique de mes deux. Encore? Approche que je te fasse saigner. Voilà, on t'a ramené chez toi, je suppose. C'est ça, voilà. Merci. Voilà. Si Sobek le veut, la crue du Nil sera favorable. Je t'en prie. Je n'aurais jamais cru que les crocodiles étaient si romantiques. Ils font peur, mais leur férocité me touche. Viens chez moi avant de repartir. D'accord? Entendu. Je viendrai. Viens, Bayek. Les dieux ont encore besoin de nous. Ouais, là, elle vient me donner une nouvelle quête. D'accord, bah, on verra ça à un autre moment, hein, ma chopinette. Hein. Là, moi, je dois aller avancer un petit peu la suite de mon histoire. J'ai eu. Ah, moustique en moins. Yes. Non, mais vous imaginez pas, hein, je suis un no man's land de ces saloperies depuis. Hein. Elles ont dévoré mes jambes, mes bras, mes mains, mes pieds. Je commence à avoir déjà, je pense, une bonne... ah, une bonne dizaine. Non, j'ai une dizaine. Une quinzaine de ces saloperies. Attends, c'est par où? De ces boutons implémentés un peu partout sur mon corps. Yo, Benji 31. Et beau le sac de Lacoste. Lol. Tu m'étonnes. Bien le bonsoir. Allez. On va reprendre l'histoire juste derrière ça. Avant, regardons un beau spectacle. Admirez la vue. Oh là là là. Excusez-moi, je ne peux refuser un tel truc pareil. Oh, plus avec la lune sur le côté. Non mais... oh là. Ça fait le 40e. C'est la 40e. Le 40e live que je fais dessus. 40 lives plus tard, je suis toujours émerveillé par tout ça. C'est incroyable. J'en peux plus. Ce jeu m'a mis une claque, mais c'est incroyable. Ah, là, je meurs. Ou non. Oh bah. Je survis après m'être pété les jambes. Là, les rotules, elles sont. Ah, mais mes chevilles sont dans mes pieds. Et sont dans mes genoux. Alors, on va jumper de ce point-là, à cette ville là-bas. Ouais, pas mal. Comme ça, on ira choper notre quête. La fameuse quête qu'on essaye de faire depuis un petit moment. Mais pour cela, il va falloir d'abord que je passe par ce truc-là. Allons-y. C'est par là. Allez, allez.
Alors là, sortir le cheval ici, ça risque d'être compliqué vu la quantité de moments où je vais boire, enfin où je vais nager. Mais bon, on va tenter le coup. Peut-être qu'avec un peu de chance, y a pas que des endroits. Et voilà, ce que je disais. Y a pas que, mais y en a. La tanière d'hippopotame. Zut. D'accord, ok, je viens de comprendre. Transporte de l'or. Mais ils ont été agressés par les hippopotames. Allez vite. Allez. Oula. On va faire du taillot-taillot, tu vas voir. Quoi ? Avec moi ! Derrière moi, Ned ! Va crever ! Zarmano ! Attends ! Je dois partir ! Je vais la voir ! Je vais détricher ça ! Ok, ok. Non, je vais t'étriper pour ça. Oh, toi, tu vas souffrir. Allez, à l'attaque. J'ai bien. Aux armes. On a des ennuis ici. Allez. Hop là. Ah. Et pour te répondre, mon cher Mitsuki Twitch, oui, il en vaut la peine. Mais je ne me prononcerai pas nécessairement sur toutes les bienfaits et toutes les vérités qu'il y a à découvrir sur ce jeu. Parce que c'est un principe que j'ai appliqué sur tous mes lives. Bien le bonsoir d'ailleurs à toi, et bien bonsoir à toi aussi la sœur du pape. C'est un principe que j'ai appliqué sur tous les lives que j'ai fait et sur tous les jeux que j'ai fait en live surtout. Je ne décris pas ou ne donne pas d'avis sur le jeu tant que je ne l'ai pas terminé. Voilà. Mais mon avis est très positif actuellement sur ce jeu. Énormément positif. Sur de nombreux aspects. Voilà. Quand tu compares avec les autres jeux, je comprends pourquoi les gens n'arrêtaient pas de dire que ce jeu a sauvé la licence. Ceci étant dit, y a quand même quelques petits points. Ouais, c'est du chipotage à ce niveau-là, mais en soi, le jeu en vaut clairement la chandelle. Après, ça dépend, Mitsuki Twitch. Est-ce que tu as joué déjà aux deux autres nouvelles générations? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà joué à... Est-ce que t'as des... Ok, non. Non, non, non. Est-ce que t'as déjà joué à Valhalla? Voilà. Est-ce que tu as déjà joué à Valhalla ou à Odyssée? Si tu as déjà joué aux deux autres, je pourrais pas te dire s'il est très bien par rapport à eux. Parce que moi, je n'ai jamais joué aux autres. Enfin, à ces deux-là. Voilà. Moi, je n'ai joué que pour l'instant que à tous les autres Assassin's Creed. Sauf celui-ci. Voilà. C'est actuel. Sauf les nouvelles générations. C'est-à-dire Assassin's Creed Odyssée, Assassin's Creed Valhalla. Et là, actuellement, bah, je suis en train de peaufiner mes... Mon expérience de Assassin's Creed Origins. Puisque actuellement,
Tout ceci est de la pure découverte. Je n'ayant jamais joué au jeu avant, je découvre. Voilà. Mais il est très très bon. Donc en soi, je te le recommande sans aucune... Sans aucune once d'hésitation. Vas-y, lance-toi. Par contre, je pense que tu l'apprécieras beaucoup mieux que moi. Tu l'apprécieras beaucoup mieux que dans la situation dans laquelle je suis. Parce qu'actuellement, moi, j'ai décidé de commencer à découvrir ce jeu. Hein, à découvrir. En mode cauchemar. Voilà. C'est peut-être pas la meilleure méthode pour découvrir un jeu Assassin's Creed nouvelle génération. Parce que putain, waouh. Prépare-toi le début, hein. Si tu commences un cauchemar comme moi j'ai commencé, le début tu vas en chier, hein. Ah la vache. Ah j'étais pas prêt, hein. Ah j'étais pas prêt. Je m'attendais pas à une telle difficulté. Moi je reviens des Assassin's Creed précédents, hein. Je suis pas un grand joueur. Je viens à peine de finir, enfin pas moi, l'une de mes personnalités vient à peine de terminer le premier boss le premier boss de Elden Ring. Après 8 lives dessus. Voilà, je pense que tout est dit. Combat de gladiateur. Gaius, imagine la tête des spectateurs quand nous lâcherons un hippopotame au Colisée. Nous allons devenir célèbres, tu verras. Ouais, célèbre pour votre connerie. D'accord. D'accord. Je comprends. Ouais, bah. Toi là-bas! Aide-moi! Éloigne cette tête de moi! Pitié! T'en supplie! T'inquiète, je m'en occupe. Vivant! Allez-vous-en! Je n'ai pas beaucoup! Attends, j'avais vu d'autres choses. Ah, il y en a deux. Voilà. Et voilà. Donc. Mais pourquoi t'étais enfermé là-dedans? Alors, qu'est-ce que tu es? On a passé des semaines dans ce long cauchemar vert à capturer des animaux pour les gladiateurs de l'arène. Une chasse de l'amphithéâtre. À Cyrène, j'ai vu son lion se faire massacrer pour honorer les dieux. Oh, je ne risquerai plus ma vie à capturer des bêtes sauvages pour qu'un politicien avide s'attire les faveurs du peuple. Ça me paraît sage. J'ai pas de chose. Oula. Je vois quoi. D'accord. Eh ben, on s'arrête pas, hein. Punaise. Allez, casse-toi. Fuis. Trouve un moyen de te barrer, mais va loin. Si je ne m'abuse, je crois que là, il y a des cadavres. Hein. Oh putain de merde. Oh là là, les catombes. Bon, bah, je vais en rajouter une de plus, hein.
L'hécatombe sauvage, hein. Qui m'agresse, mais bon sang, mais je comprends pourquoi les gens ils sont devenus fous. Je vais tenter ma chance à Héracléion. Que les dieux te soient propices. Il y a toutes les bêtes qui attaquent à vue ici. Voilà. Aïe. Bon. On en est où dans tout ce bordel? On arrive enfin. Eh ben punaise. Ça a été long, hein. Bon, après j'ai fait des détours, c'est sûr. Allez. Viens mon chocobromadaire. Normalement, c'est un chemin. Ok, je suis enfin à Héracléion. Alors maintenant, faut que j'aille repérer ce truc-là. Faut que je retraverse pour aller de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté que se trouve certainement ma mission. Attendez, la voix des gars. Je suis où? Ah non! Non, c'est bien de l'autre côté, punaise. Allons explorer donc. Alors voyons ça. Oh bah tiens. Voilà. Une petite statue en moins. C'est quoi ça? Oh bah tiens. Alors ça doit être dans le coin. Eh ben c'est littéralement juste là. Voilà. Le nommé d'Héracléion, à l'est du temple de Khonsu, se trouve un village reposant sur plus d'eau que de terre, derrière deux maisons aux soucis différents. L'un d'eux, l'une ayant toujours les pieds mouillés et l'autre étant incapable de se couvrir, la tête me trouvera sous un arbre. De Dieu. Bon, on va aller choper ce point parce que je sens que je vais en avoir besoin. Allez, on grimpe. Oui, je veux passer. Hop là. Et hop là. Voilà. You. Hop là. Bon, ça va. Et là, vaut mieux descendre. Comme ça. Et ensuite, on plonge. Pardonne-moi, je me permets. Salut. Hop là. Alors, cette tour, comment qu'on la grimpe? Et voilà. Quel j'ai loupé. C'était de l'autre côté. Et voilà. Aïe, je vous jure.
YOLO. Ouf. Limite celle-là. Allez. La demeure de Cléopâtre à Héracléion. Je suppose veut dire fils d'Héraclès. Ou demeure d'Héraclès, je pense. Mais Héracléion, je crois que c'est plutôt... Le ion à la fin était plutôt, je crois, défini. Enfin, défini par le fils. Hein? Alors, petit. Petit Héraclès. Héracléion. No lo sabes. Alors, qu'est devenue ma chère tendre femme? Et surtout, qu'est devenue Cléopâtre? Ah, regardez qui est de retour. Apollodos. Bayek de Siwa. Tu es le bienvenu à Héraclion, ville de vin, de femmes, et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Et mériter. Balle! Allez, Bayek! Ah, à la reine! Bayek, tu arrives au meilleur des moments. Cléopâtre, je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi? J'ai deux autres noms. L'ordre ne peut... Et combien d'autres noms après cela? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne? L'aurais-tu oublié? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon, et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi, j'ai un présent. Eh, c'est... À propos de Medjay, tu as des nouvelles d'Aya? Aya défend nos intérêts sur le mer. Me permets. Nous attendons Pompée et sa flotte d'un jour à l'autre. Nous forgerons une alliance contre l'ordre pour le bien du pays. Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque. Le pays est opprimé, martyrisé. J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever. Oui, Bayek. Je t'ai donné deux nouveaux noms, le Chacal et le Scorpion. Ils font partie des proches de mon frère. Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie. On a attenté à ta vie? C'était les filakès de ton frère? Difficile à dire. Ce Gabignani était un guerrier de Septimius. Leur milice compte près de 2000 hommes. J'espérais les rallier à ma cause. Avec Septimius, ce Romain stupide. C'est leur chef? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse. Ce qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis. Aya pense qu'il travaille pour l'ordre et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville. C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils. Oula. Attends, je l'ai déjà vu cet homme. Foutou ! Pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches ? Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Mon frère Septimius a tué ton fils, et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir, des remords. J'ai baisé ses jumeaux, Venator. Ça te suffit? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui. Va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. Dionysiaque. Dionysios. Dieu du vin. Le Septimius chacal Septimius. Le capitaine de ces filakès se nomme Venator. Selon les rumeurs, il traînerait au bordel. Je vais nettoyer cette ville et assurer notre sécurité.
J'ai l'intention de renommer ce temple en mon honneur. La ville est-elle enfin sûre? Je me suis laissé distraire. Cette région est magnifique. Et le bordel, il te plaît? Nous devons agir vite, si nous voulons attraper Septimius. Je vais m'en occuper. C'est bon. Voilà, je pense que c'était la dernière ligne de dialogue. Donc, on a trouvé la suite de l'histoire. Très bonne question maintenant. Qu'est-ce que tout ce bazar va-t-il nous apporter? C'est une zone, il y avait des trésors, un petit truc supplémentaire à choper, voilà, une petite graphite, et c'est donc là-bas. Donc nous allons aller dans un bordel. Je suis heureuse de savoir que j'ai mis mon stream en moins de 18. Ah, regarde, c'est le Medjay. Un guerrier de plus pour grossir nos rangs. Je prie pour qu'Amon veille sur nous. Je sais pas si c'était d'une manière ironique de dire les choses, ou s'ils sont sincères. Je deviens parano, moi. Alors, voyons ça. Ah ouais. C'est bien, bordel. J'adore cet endroit. Héracléion. Il y a des boobs. Toutes ces beautés égyptiennes et grecques. Et ils sont quasiment à poil. Quasiment. Très petite tenue. Profitez. Appréciez. Il y a des choses ici que je puisse choper, des trucs. Pour l'instant, on a une personne avec des boobs à poil. Et ça se prétend un bordel. Alors. Ah, la matrone. Il y a des choses au-dessus. Mais on voit bien que c'est un bordel aussi, ici. Allez. Ouais, c'est un bordel. Là, la question c'est... Est-ce qu'il y a des scènes visibles? Il y a que dalle. Ah si, il y a des choses, on peut voir des choses à travers le paravent. Moi je suis perplexe, enfin, il y a des gens qui, quand tu as ce genre de scène, me disent putain, la session d'enregistrement a dû être une drôlerie. Non pas que ça doit être, oula, non pas que ça doit être nécessairement... vulgaire ou quoi que ce soit, mais ça doit être toujours une expérience, tu vois. Une expérience intéressante de witness. Witness. D'être témoin de ce genre de choses. Tellement donné à voir ça. Donc, pardonnez-moi. Un vrai guerrier. Je fais un prix au... Attends. Tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai? Non, je n'en suis pas un. Pardon. Je suis un Medjay. Waouh. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay, mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjay qui travaille pour le pharaon doit avoir de l'or à dépenser. Il faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire. Tu appelles ça parler? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont te coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay. Et il faut combien? Non, parce que si c'est une question d'argent... Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Je sens Ils que ça ont va être... eu une nuit éprouvante. Alors ne leur parle pas trop durement. Ah, totalement mépris. La méprise est totale. Je sens que ça va être très drôle. Très, très drôle. Oula. Alors, tu voulais nous parler? Je cherche un Gabignani appelé Venator. Chut, oula, ne prononce pas ce nom. Ce n'est qu'un Neketiadet. Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre. Tout le monde a peur de lui, mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Oh là là. Ah, donc on a une petite scène, bon bah au moins vous savez, c'est dans ce bord. D'accord, elle descend, mais elle descend par...
Ah, mais voilà! Là, on sent le bordel! D'accord, voilà le luxe et la luxure pour lequel on m'avait vendu cet endroit. Voilà, il y a une deuxième paire de boobs. Ah, parfait. Le puérilisme. Non. L'aspect puéril de l'humanité. Mais bon. Tout à chacun. Donc c'est par là. Ouais, mais fallait voir, hein, ils étaient. Mais regardez-moi les bleus. Elle devait être magnifique sans le cocard. Hein. Et j'avoue, la nuit éprouvante, elle a été dure. Je m'attendais à quelque chose de plus drôle. Bon. Je vais lui faire une petite visite. Salut. Par Anubis, cet endroit est animé. Vénator ne travaille pas seul. Alors voyons ça. Oula, il y a des choses. Ah, voilà. Les barriques de vin. Mais je ne sens pas l'odeur. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Oh bordel. Qui est-ce qui veut faire encore cela? Des luttes, du fard à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Alors. J'interromps 5 minutes parce que le terme prostituée est un mot qui a été utilisé pendant de très nombreuses années, mais il a été, comment dire, popularisé, je crois, plus. À partir du Moyen-Âge, je crois. Je suis pas sûr. Le terme prostituée. Avant, on utilisait un terme beaucoup plus mélodieux. Qui, en fait, correspond clairement à la personne, enfin, aux personnes qui travaillent dans ce genre de monde. J'ai un doute sur la prononciation. Mais je crois que ça se prononce étahir. Ou éther. Je suis pas sûr. Voilà. C'est H-E-T-A-I-R-E. Le truc. C'est que je crois qu'il y a un tréma sur le i. Je sais pas si ça se prononce étahir. Parce que le tréma fait cet aspect de la prononciation. Et c'était le nom qu'on donnait justement aux prostituées de l'époque. C'était comme ça qu'on les appelait. C'est dommage que vous n'avez pas eu Buggysoft du la présence d'esprit de transformer ce mot. Parce que tu vois, ça aurait permis d'une, de changer un vocabulaire, de coller au vocabulaire de l'époque, et de deux, de transformer un mot qui est une connotation assez vulgaire, malgré son aspect plus rapetissé. Et plus fleuri. Parce qu'il y a aussi péripapéticienne, mais bon, on va dire que même ça, tu vois, je pense que c'est un peu trop. Tu vois. Alors qu'un étahir, ou une étahir. Étrange. Pas de nom. Pas de genre là-dessus. Vénator tient à ce que ces hommes passent inaperçus. Et ben en soi, tu vois, ça aurait bien passé. Un petit moment de vocabulaire. Alors, j'essaie de trouver ce truc-là, mais j'ai pas l'impression que je puisse. Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre. Oh putain. Vénator prépare ses Gabignani à assassiner la reine. Oh putain. La reine avait raison. Vénator prépare quelque chose. Il me faut plus d'informations. Il manque quelque chose. Une vraie odeur de marécage. Des plats cassés, ça ne présage rien de bon. Ah d'accord. C'est bien ce que je pensais. Ah voilà. Cher Vénator, je te joins les drachmes que pour ton plaisir et pour armer tes hommes. Ceci doit rester confidentiel. Rappelle-toi. Le nom des Gabinani signifie toujours quelque chose alors que nous montons sur le trône. Paie tes hommes pour le meurtre et retrouve-moi à Alexandrie, une fois la chose accomplie. Veille à être efficace. L'incendie pourra entrer dans la villa par le quai. Notre archer posté en hauteur pourra lui décocher une flèche dans le cœur. Livius devrait essayer une méthode plus directe et je suis certain qu'Alexus trouvera un moyen excentrique de s'infiltrer comme toujours. Je te fais confiance pour ce meurtre. J'attends impatiemment ta venue. Un bon guerrier sera utile à notre marine en prévision des actions de guerre qui se profilent. L'ordre des anciens est puissant et bientôt nous offrirons aux populations égyptiennes la paix et l'ordre. Mais notre cuirasse est le seul moyen de conserver
le contrôle de l'Égypte. Septimus. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine, depuis une hauteur. Vénator n'est pas qu'un sbire de Septimus. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. Ok. Ok. Bon. Attends. Prenons un roleplay. Tac. Là. C'est nous! Ok. Oh. Petit trésor. Alors. Ouais, non, on va les laisser. Mon objectif est de tuer que 3 personnes. Je pourrais me permettre d'en buter plusieurs, mais soyons honnêtes. Merci de me régénérer. J'ai pas été assez attentif. Ah, en même temps, je me suis mis moi-même dans la merde en sautant dans le vide. Ça m'a mis mal. J'aurais dû rester sur ma position et essayer de la jouer autrement. Mais je voulais les faire cramer, c'était plus classe. Ah, y'a plus ? Ah bah y'a la plus. D'accord, bah comme je l'ai tué, ça me l'a coupé. Oh, c'est un peu trop facile ça. Oh, c'est trop facile. Oh, si ça me les compte juste parce que je les ai tués, moi je m'attendais à ce qu'ils me refassent tout redémarrer. Bon, après ça m'arrange, tu me diras, ça m'évitera d'en refaire d'autres. Mais bon, je trouve ça un tout petit peu trop facile. Et je suis en cauchemar, hein, mettez-moi la difficulté. Hein. Mieux vaut pas attirer l'attention ici. Y'a que vous deux ? Ah non, y en a quelques-uns. D'accord. Si c'est tout ! Et non, mon verre ! Go ! Voilà. On commence déjà tranquillement le démontage.
battre. Reste tranquille, gamin. Je vais me faire le plaisir de t'apprendre ce que c'est que de travailler à la protection du pays. Salut! Et voilà! Bon! Aya, mon amour. Ah, oula. Bayek. Chaque fois, ah, tu portes pas l'odeur de la mer. J'ai navigué au large pendant un long moment, mais je te suis revenu. Damn motherfuckers. Oh, vite. Son of a... Protège la reine. Damn it! Je suis blessé. Tu dois protéger la reine. Oui, j'y vais. Putain de ta mère, mon amour. Celle qui se perce les reines. Ton trône sera bientôt ton tombeau. Lequel d'entre vous est Venator? Book. C'est notre chef. Et tu n'as aucune chance de l'atteindre. Ça, c'est ce que tu... verra. Voilà, ils sont tous morts. Mais où est Venator? Ok. Et toi? Oh bordel! N'est qu'une chienne sans honneur. L'enculé! On ne parle pas comme ça d'une déesse. Si tu es un gardien de l'Égypte, je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue, mais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait? Ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Ova! Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Ce sera déjà un bon début. Cléopâtre, nous sommes les Gabiniani et l'Égypte nous appartient. Toi, les guerriers ont échoué, mais moi je réussirai. Les deux haches ne te suffiront pas. Oh putain. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui existe. La mort exige de la dignité. Alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. Taï. Vous parlez ou vous battez, bordel? Putain, mais je peux même pas l'esquiver, quoi! Putain, mais le nombre de feux! Porc épique, je vais t'appeler, toi! Allez, Clams, foiré! Ta mère. Hop là. Putain, je le touche au dot, j'essaie de le... Hop là, hop là. Putain, non. Laisse-moi régène, bordel! Putain! Mais le nombre de flèches que je t'aurais transformé, espèce de pelote de laine! Ah, tu vas claquer, oui! Bordel! Allez, à terre! Garde une place dans la douate pour ton frère Septimius. Ouh!
Hé, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions, alors qu'on attend sans cesse à mes jours. Ma reine, reposez-vous. Je n'ai pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise, et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourri dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Phoxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. GG, merci à toi. Encore une fois, j'ai réussi à le faire au cauchemar. Premier coup. Yay. Je suis assez refait. Plus ça se valait presque un fil à caisse. Putain, j'aurais presque pu tenter d'essayer de le battre à main nue. Ouais, non, mais il était quand même bourré. Il était bourrin, ce machin. J'ai un doute. Amener Aya à l'endroit où Pompée va doit débarquer. Alors, attendez, c'est où? Ouah, attendez, c'est là-bas? What? Shit! Down! Bon, bah... Ces Gabignani nous ont laissé une felouque. C'est gentil. Ouais, sympathique. Allez, hop. Va donc, ma chérie. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Voilà, que je puisse t'observer ton magnifique petit cul. Sur tout le long de la traversée. Allez, on y va. Parce que là, pour le coup, soyons honnêtes, va falloir que je fasse le grand tour. Hein. Je serais même presque tenté d'aller faire le long, tu vois, de foncer directement là-bas, puis de remonter jusque là. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, parti. Allons-y! Septimius est la pire des vermines. C'est l'homme que nous devons envoyer à la dévoreuse. Et Potinus. La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Et ensuite, nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé, que nous avons changé. Comment ça se passe sur ta trirème? Oh merde! Très bien. Phoxidas m'a con... Merde. Ah, reviens. Reviens. Et si on s'offrait l'un à l'autre? Dans cette barque? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Égypte t'emmène à nouveau loin de moi? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. La misère est partout. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjay. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi, Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère. Nous devons servir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous? Nous sommes des parents. Nous étions des parents. Je t'aime, Bayek de Siwa. Et je ne sais plus qui tu es aujourd'hui. Gros drap. D'accord, donc je peux pas aller là-bas parce que pour le coup je suis obligé d'aller foncer jusqu'à la destination. Bon ben, tant pis, je m'en occuperai après. Et attention, ça va débâcler. Voilà. On est bon. C'est mon atterrissage en douceur. Donc, Pompée, campement romain. La mort flotte dans l'air. Uh-oh. Quelle puanteur. Une terrible odeur de chair pourrie. Ce sont des corps. Oh merde. Par les dieux. Le Nil sera rouge pendant des lunes. Osiris va avoir du travail. Ce sont des Romains. Pas les Nekhatiadètes de Ptolémée? Non. Une mort peu glorieuse. Nous sommes arrivés trop tard. Et merde. Oh non. C'est Pompée? Non. Ah, Septimius nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non, non, ce n'est pas possible. Où est César? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas... Qu'on me mène à lui.
Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égouts du palais. Ça s'annonce mal. Ah, ça s'annonce très mal, tout ça. Aya, l'âme de, la déesse. Ça, c'est la nouvelle quête. Ouais, c'est juste ici. Ouais, bah, pour l'instant, on va s'arrêter là, parce que j'ai laissé déjà beaucoup trop de choses passer devant mon nez. Il est actuellement 1h29, ça fait bientôt... Alors, à la base, j'avais prévu de faire, de faire 2h. Mais on va pas se mentir que là, mon estomac est en train de me faire, de me crier famine. Donc, je m'excuse encore une fois d'avoir commencé aussi tard, certes. J'ai commencé habituellement à, d'habitude à 18h, j'ai commencé à 18h30, parce que j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'étais tellement concentré sur mon truc, sur un truc que j'étais en train de me casser la tête dessus, qu'au final, bah, j'ai complètement zappé. Voilà, ça m'est pas sorti de la tête. Et quand j'ai vu qu'il était 24, j'ai vu qu'il était trop tard. Mais c'est pas grave, ce n'est point grave, on y reviendra la prochaine fois. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ce sera voilà, un live de 1h30. Ce sera bien un live de 1h30. Hein. Des fois, je faisais ça. Hein. Ça me suffisait bien. Je pense donc que la prochaine fois, on va explorer un petit peu cette nouvelle région sur laquelle on vient de trébucher. Hein, tout ça. C'était tout ça. C'est-à-dire tous ces petits points d'interrogation qui sont ici. On va se faire un petit... Vu qu'on a décoché ici, on va faire ça. Voilà. Choper les points, les uns à la suite des autres, comme ça, brac, tout dans la longueur. Une fois qu'on aura fait tout ça, on remontera jusqu'à là-bas. Et après, on ira faire la mission. Je pense qu'on fera ça peut-être pas demain. Je pense que la mission, on la commencera peut-être pas demain, on la commencera peut-être la semaine prochaine. Mais on verra. Ceci étant dit, on se rapproche progressivement de notre cible, le scorpion et le chacal. Fort, imposant et athlétique, Septimius est l'archétype du légionnaire romain. Après avoir servi sous Pompée pendant la guerre contre les pirates en 67, il a ensuite rejoint Alexandrie, où il est tombé amoureux de son pays d'adoption d'Égypte. Son pays d'adoption, l'Égypte. Aujourd'hui, les Gabiani et lui sont chargés de protéger la famille royale. Ah. Le scorpion. Cléopâtre a identifié deux autres noms. Le scorpion est l'un des membres les plus haut placés de l'ordre des anciens. Ok. Ah, tout ce monde qu'on a buté. Moi, je pense qu'il y a encore quelqu'un là, en fait. Hein. Il va nous en sortir un troisième nom. Ou alors non. Il n'y avait pas de troisième nom, et en fait, il n'y a rien ici. Potentiellement. Ok. Et je suis à 4 points d'aptitude. Bientôt, je pourrais m'acheter ces deux trucs-là. Hein. Boost de vitesse et la fureur surpuissance. Après, je m'achèterai des points en guerrier. Parce que je vais mettre des points en dégâts au corps à corps. Voilà, ça va juste être la bénédiction, ça. Pour toutes mes armes. Ici, il faudrait aussi que je commence à en mettre aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont pas mal. Genre la fureur à l'arc, elle serait pas mal. Quand tu frappes une première fois, hop, tu peux tirer derrière avec 3 secondes de ralenti. Là, t'as le Ranger d'élite que j'utiliserai jamais. Soyons honnêtes. C'est le genre de truc que je vais jamais utiliser. L'instinct de chasseur, ce serait pas... Oh, j'en ai pas vraiment une grande utilité, tu me diras. Et ça, c'est quoi? Les cibles ennemies par un tir de prédateur subissent immédiatement la décomposition. Ah, ça, c'est pour combiner avec ce truc-là. Ouais, je vois. Ça, en fait, tu vois, c'est cette partie-là du tableau, je l'ai jamais, mais alors, jamais utilisé. Genre, il y avait ce truc-là, champion d'apnée. Aucun intérêt. Frayeur d'Osiris, je sais toujours pas comment est-ce que c'est utile. Dans l'au-delà, vous récupérez des flèches, des outils au fil du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je meurs, ça me permet de récupérer ça? Ou l'au-delà, c'est un truc particulier? Je sais pas, bon, en fait, je ne comprends pas. On va pas savoir. Ça, c'est Berserker. Appuyez sur R pour utiliser ses puissances sur un ennemi de niveau inférieur et inconscient de votre présence et le retourner contre ses alliés. Ou ça... vraiment. Est-ce vraiment utile? Fléchette empoisonnée, utilisez les fléchettes pour neutraliser un ennemi et contaminer ses compagnons lorsque vous êtes équipé. Bon, ça c'est pour les fléchettes empoisonnées, encore une fois, pas très utile. Dégâts d'écran, dégâts l'écran de fumée. Les ennemis situés dans un écran de fumée subissent des dégâts et se retrouvent au sol. C'est pratique. Mais j'ai jamais utilisé en fait, tu vois. Après, tu vois, il y avait ça que j'aurais pu utiliser. Ça vaut 2 points, ça c'est quoi ça? Apprivoisement d'animal. Après avoir endormi un animal avec une fléchette soporifique, apprivoisez-le.
pour l'amener à vous et à vous suivre en appuyant sur E. Aptitude, une fléchette d'emploi soporifique est requise pour utiliser approvisionnement animal. Remarque, il est impossible d'approvisionner un animal alpha. Ah ouais, donc les animaux particuliers, on peut pas. D'accord, donc on peut avoir un deuxième pet. Ça, c'est marrant, ça. Passive, augmentation des dégâts liés au feu que vous infligez de plus 50%. Ah oui. Ah non, mais ça, je dis oui. Puis ça vaut 2 points seulement. Non, mais c'est... Mais oui. Non, mais oui, tous les jours, quoi. Genre 50% de dégâts de feu, mon arc devient encore plus craqué. Alors ça, par contre, je vais l'acheter aussi tout de suite. Voilà, bon. J'ai dépensé les points, mais parce que c'était nécessaire. Ça, pour acheter, permet d'acheter des équipements plus rares dans les boutiques, c'est toujours utile. Permet d'acheter des chars de guerre dans les écuries, ou ça, pas vraiment utile. Ça, je vois pas vraiment l'utilité, encore une fois. Et ça, ça permet juste d'augmenter les dégâts des fléchettes empoisonnées, des bombes incendiaires et du feu. C'est pas mal. Pour le feu, à la limite. Mais même, tu vois, comme ça, c'est pas né vraiment utile, quoi, en fait. Je veux dire que la plupart des dégâts, tu vas les faire avec le maître guerrier ou chasseur. Le feu, ça va juste permettre d'avoir un dot continuel qui est toujours utile. Même comme ça, tu vois, c'est pas utile, en fait, réellement. Harcèlement deck, ça, il faudrait un jour que je l'achète. Ça coûte 2 points, il faudra un jour que je l'achète. C'est très, ça a l'air d'être assez utile. Mais les vraies puissances, tu vois, ça va être là-dedans. Les 2 points là-dedans et les 3 points là-dedans, je vais les mettre plus tard, quand j'aurai atteint les 5 niveaux qui me manquent, là, tu vois, je vais me faire un... Je vais me mettre un petit plaisir là-dedans. Mais là, ça et ça, c'était nécessaire. Voilà. Ça et ça, c'était nécessaire. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. De toute façon, là, je suis à 14 000 pour m'acheter tout ça. Je vais revendre tous mes babioles. Ça va encore me faire du fric. J'en ai encore des babioles. Va falloir que je revende tout ça. Puis, niveau équipement, je crois que je suis pas mal. Hein. J'ai bientôt à évoluer au maximum. Regarde ça. Hop. Ça, c'est au maximum. Il me reste maintenant, je suppose, voilà, des diamants. Je sais toujours pas comment les obtenir. Ça, c'est la grande question, ça. Je vais augmenter mes dégâts au corps à corps parce que je manque clairement de dégâts au corps à corps. Il va me falloir un petit peu plus de ça aussi. Oh, ça y est, ma lame secrète est dorée. Je dois faire des dommages là-dessus. Madre de Dios. Et là, il va me falloir de la peau. Alors par contre, la graphite, je commence à en manquer. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir me choper de la graphite. La graphite, je la chopais toujours dans des endroits. C'était des tombeaux ou des trucs comme ça. Là, je sais pas comment je vais en choper plus derrière. Parce qu'il m'en faut. Rien que pour ça, regarde. Rien que pour ça, il m'en faut 5. Là, il m'en faut 5, ça m'en faut 10. Là, il m'en faut pas. Là, il m'en faut pas. Là, il m'en faut 7. Donc, déjà, il m'en faut 17. Je sais pas pourquoi, mais ça va être compliqué tout ce bordel. Peut-être falloir que je commence à essayer de vider des trucs spéciaux. Genre les trucs que j'utiliserai jamais. Genre vraiment. Il va falloir que je fasse ça, j'ai l'impression. Parce que. Soyons honnêtes. Oh, Vinci qui patitour. Bon, ça, c'est la santé sur parade. Je l'utilise pas énormément. C'est vrai que j'utilise jamais la parade. Incroyable à quel point j'utilise pas la parade. Bon, allez, ceci ayant été dit, appuyez sur R après une attaque au corps à corps ou une esquive pour libérer cette poudre. Enfin, on va faire un test. D'accord. On peut faire ça. Et c'est un écran de fumée. Ça peut être utile. Et je peux m'en équiper ou alors c'est vraiment un truc... Ah d'accord, j'ai les fléchettes soporifiques ou les bombes incendiaires. Ok. Bon! Et bien sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une fort bonne soirée. Je remercie BenJ31 d'avoir été présent et d'être passé venir un petit coucou. Mitsuki Twitch, j'espère que tu profiteras de ce jeu autant que moi que j'en ai profité autant. 40 live d'Assassin's Creed... le prouve actuellement et je continuerai à les faire même avec les DLC, hein, je compte pas m'arrêter là. Ceci ayant été dit, merci bien évidemment aussi à la sœur du pape, pardon,
Merci à elle d'avoir été présente et de nous avoir aussi, d'avoir suivi ce live en ma compagnie. Je vous souhaite à tous et à toutes une fort bonne soirée. Je vous rappelle que tous les lives sont disponibles sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez les revoir et les voir et les découvrir sans interruption parce qu'ils sont toujours là-bas. Je vous souhaite à tous et à toutes une fort bonne soirée. C'était Dark Elyrion pour la chaîne Madness Productions. Salut! Salut. Vers le bureau. Et je lance El Musica. El Cap. La musique.